Ta peau ne ressemble pas à celle du marabout. Vraiment. Vous m'ajoutez les marabouts. Les marabouts souffrent ici derrière vous. Les marabouts souffrent à vous, dans vos mains. Les marabouts souffrent. Bonjour, bonjour. J'entretiens ma peau, je mange bien. Je ne mange pas trop gras. Je mange africain. Le couscous là, c'est ça qu'elle mange. Il ne mange pas la viande. Le bœuf là, je ne pas dedans. Le mouton là, je ne pas dedans. Je mange beaucoup de légumes, je mange beaucoup de fruits. Bonjour, 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 bonjour. Soleil, est-ce que tu peux me laisser faire le direct? Je vois s'il faut que je change de place. Parce que le soleil, ça va bouger d'un moment à l'autre. En me reculant un peu comme ça. Soit j'avance légèrement, mais si j'avance... Soleil, je réfléchis trop sur toi comme ça, pourquoi? Bon. Et j'arrivais pas à accrocher mes courries, je l'ai fait aujourd'hui. Mes plumes, bah, pardon. Bon, je vais voir si je peux bouger la chaise aussi. Mais voilà, je vais changer juste d'angle. Je change d'angle, c'est tout. Vous voyez quand même, non? Oh, j'aime trop les rayons du soleil sur la lune. Vous voyez l'arc-en-ciel qu'il y a sur mon téléphone ici. C'est super. En passant, quand tu vois le reflet de l'arc-en-ciel, que ce soit sur ta télé, sur ton téléphone, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ok, ok, ok. Bonjour et bienvenue. Nous jeûnons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Si vous avez un problème, vos enfants ont un problème, je vous en prie, jeûnez, jeûnez. On jeûne aujourd'hui. J'essaye d'allumer ceci. Ça a pris. Oui, je savais pas. Ok. Pendant que je parle, j'allume votre lumière. Tout blocage que vous avez, tout endroit où vous a enfermé, spirituellement, physiquement, pendant que vous m'écoutez, je vous sors de là. Que cette lumière restaure ce que vous avez perdu. Que cette lumière ouvre vos yeux. Que cette lumière vous donne la marche à suivre. Je vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Je demande que la vérité soit déposée dans votre esprit pendant que je parle. Que ceux qui cherchent la vérité soient connectés à la vérité qui va être dite ici, aujourd'hui. Je viens contre toute interruption. Je viens contre toute résistance. Tout ce que l'ennemi va mettre pour vous bloquer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous faire des prières inspirées
Ok? Vous pouvez les écouter après. Donc, je viens préciser que il y a des personnes qui vont vous écrire avec ma photo. Ce sont des scammers. Mes numéros sont dans mes vidéos sur ma page. Donc, pour détecter l'une de mes pages, regardez le nombre d'abonnés. Regardez si je fais des directs sur cette page. Je ne fais jamais 3 jours sans faire un direct. Donc, pour savoir si c'est ma page, va seulement sur la page du défil. Tu ne vois pas de direct dessus, c'est pas ma page. Ok. Bonjour, Reine Foster. Je chasse le découragement parce que vous aurez des envies de découragement. Bon, on va lire. Éternel, en ce jour de jeûne, selon Jérémie 33. Verset 3, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je demande sur vous la lucidité, l'ouverture d'esprit, la compréhension. Que vous puissiez voir qui vous bloquait, qui vous bloque. Que vous puissiez voir là où on vous a enterré et comment sortir de ce trou. Tout serpent qu'il y avait dans votre corps. Je suis arrivé une fois dans un pays, j'ai travaillé sur une dame. Non, je suis arrivé dans le pays, je devais travailler avec la dame. Et durant tout mon séjour, chaque fois qu'il fallait travailler sur elle, mon corps pesait. Finalement, un jour, l'Esprit Saint me dit, donne-lui un câlin. Pendant que je lui donne le câlin, avec mes mains sur son dos, je commence à retirer des choses. Et elle me dit dans la nuit qu'elle a rêvé comment des serpents sortaient de son corps. Parfois, l'ennemi peut te bloquer de façon à ce que tu es lourde. C'est comme si tu es planté dans la terre. Tu ne sais pas ce qui te bloque. Tu ne sais pas ce qui te freine. Tu sais que tu dois faire certaines choses, mais tu ne fais pas. Bonjour Dorcas. Tout voile qui a été mis sur toi, tout mensonge, tout ennemi de ta destinée, je viens l'exposer. Ah, Yvan, tu jeûnes avec nous. C'est super. Que le Seigneur écoute tes demandes. Un jour, quand tu es prêt, tu me contactes. Je vais te faire une lecture. Parce que c'est plus tard que j'ai compris que même toi, tu étais énormément bloqué. Tu as toujours le potentiel, tu as toujours eu la volonté. Mais tu n'as jamais su pourquoi tes choses ne marchent pas. Je déclare sur vous la lucidité, le redressement de votre colonne vertébrale. Tout serpent qu'on a déposé en vous. Tout mariage dans lequel tu es. Tu n'oses pas partir. Tu n'oses pas faire ce que tu dois faire. Tu n'oses pas te lever. Je te libère de là. Excusez-moi, je dois aller prendre la cloche. Parce que je dois sonner la cloche. Vous connaissez notre cloche, non? J'arrive.
Bonjour. J'ai ajouté une fleur. Je reçois l'inspiration. Je libère votre aura, je libère votre énergie de toute puissance de l'ennemi. Tout blocage dont vous avez été victime sans savoir pourquoi ni comment. J'ouvre. Je vous débloque par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour la bénédiction, Tata. Toute personne qui voulait t'épuiser, tout groupe, toute association qu'on a formée pour te bloquer, pour te fatiguer, je vois beaucoup le mot fatigue. Je t'en libère. Je te libère de leur fatigue qu'ils ont lancée sur toi. Au nom de Jésus. J'ouvre tes portes. Que tu te réveilles, que tu réfléchisses. Tout endroit où on t'a isolé, on t'a affaibli. Je vois quelqu'un qui est dans un coin, on t'a coincé carrément. J'enlève le manteau qu'ils ont mis sur toi. Je vois aussi quelqu'un qui a pris ton argent. Cet argent est en train d'être restauré. La personne t'a dit, oh, donne-moi ton argent, je garde. Ok, tu peux recevoir l'argent chez moi. Et c'était une stratégie. Parce que dès que la personne a vu ton argent, il a mis ses yeux sur ça. Toute sueur de ton front, tout ce qui te revient, financièrement, physiquement, spirituellement, qui a été pris. Je te restaure au nom de Jésus-Christ. Selon Jérémie chapitre 1. Je t'établis aujourd'hui. Déclare avec moi, je suis établi aujourd'hui sur les nations. Ouvre la bouche, tu parles. Je suis établi aujourd'hui sur les nations. Merci, James. Je suis établi sur les nations, sur les royaumes. J'arrache, j'abats, je ruine, je détruis toute entité négative, toute fondation négative dans ma vie. Tout ce qui a été écrit dans ma lignée, qui était de bien, que je n'ai pas encore fait, je le fais aujourd'hui. Toute célébrité, toute façon d'être connue que j'étais censée avoir, dont on m'a privé. Il y a quelqu'un ici, tu l'as levé la main gauche, tu reçois ton passeport. Depuis, tu parles d'un passeport, mais il est retenu. Toute arme qui a été forgée contre toi pour bloquer tes déplacements, reçois ton passeport, reçois tes voyages. Vous savez qu'il y a une onction dans les voyages. Parfois, tu es quelque part, tu te sens bloqué, attaché. Tu voyages, tu passes seulement dans une autre ville, tu pars à Bafoussam, tu reviens. C'est comme si on t'a remis encore l'énergie dans le corps. Soulève la main gauche, Seigneur, je reçois mon passeport aujourd'hui. Je reçois les visas qu'il me faut. Moi, Reine Lumière, au nom de Jésus, je viens détruire toute fondation maléfique dans ta vie. Mettez la main sur la poitrine. Je détruis tout ce qu'on a mis pour bloquer ta voix, pour que tu ne parles pas. Tout ce qu'on a mis pour bloquer tes dons, pour que tu ne parles pas et les gens soient guéris. Je restaure tes dons. Je rétablis tes dons. J'arrache tout arbre maléfique planté dans ta vie. Je viens abattre. Je vois quelqu'un ici, c'est un peu comme si ton jardin fleurissait. Et on est venu planter une plante négative qui a envenimé les autres. Toute association négative dans laquelle tu t'es retrouvé. Je t'en libère au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé ton travail, tu étais bien. Un moment, le patron t'aimait. Soudainement, tu ne sais pas ce qui se passe. Je restaure ta connexion. Dans vos kits, il y a souvent une huile là. Mais il faut vous oindre après le lavage aujourd'hui.
parce qu'on doit se laver le soir encore. Je ouvre ton visage, j'enlève le voile sur moi. Et vous lavez vos mains avec le sel même percé. On me montre quelqu'un ici là. Tu ne connais pas rendre honneur à qui de droit. C'est comme si ton esprit souvent combat. Je vois quelqu'un ici là. Ce que je fais t'a aidé. Tu as eu quelque chose. Tu as eu un visa peut-être. Tu n'as pas reconnu ou rendu grâce que, ok, c'est les prières de la femme si c'est ce qu'elle fait. Et là maintenant, dans le spirituel, à un moment tu t'es dit que ah, c'est moi, je suis forte. Je vous le dis juste. Et tu es bloqué dans une autre étape de ton avancement. C'est pour ça que vous devez faire très attention à ce que votre cœur ne se retourne pas contre la personne qui parle pour toi ou qui prie pour toi ou qui te soigne. Ton cœur ne doit pas se retourner contre la main qui te donne. Ton cœur ne doit pas se retourner contre la personne qui a poussé, qui t'a mis la chaise, qui t'a donné la main pour que tu montes. Je vois quelqu'un ici. Là, on me dit que la deuxième étape de tes papiers, là, ça sera bloqué. Moi, je te le dis cash. Quand ça s'est passé, tu as commencé à dire, ah, c'est seulement mes ancêtres. Si tes ancêtres pouvaient t'aider depuis, pourquoi depuis tu étais bloqué au pays? Avant que tu ne montes, avant que ton mari ne monte, pourquoi tu étais bloqué au pays? Bon, j'ai déjà dit. Je dépose les idées en vous aujourd'hui. Les idées qui vont vous faire prospérer. Les idées qui vont... je vois quelqu'un qui va recevoir beaucoup d'idées. C'est comme des antennes, voilà. On me donne le mot antenne. Depuis, je vois mes plumes. Si je pense aux antennes, après, j'oublie. Voilà. Ils sont en train de te redonner, de te reconnecter à l'univers. Ils sont en train de te reconnecter. Reçois l'instauration, la restauration de ta connexion. Dépose la main sur le cou. Toute ta nuque là, tu dois toucher ça de ta main. Je détruis tout blocage qu'on a mis. Tout portail spirituel sur ta nuque par lequel il passait pour te donner les maux de tête. Je te libère des maux de tête. Je te libère des maux de tête. Je te libère des maux de tête. Les migraines. Mets la main sur le front. Je te libère des migraines. Selon Ésaïe 58, par ce jour de jeûne que nous sommes en train de faire tous aujourd'hui, je détache les chaînes de méchanceté sur vous. Je te dénoue, je te défais, je te détache. Selon Matthieu 18, versets 18 et 19. Il y a quelqu'un, tu as mal à l'œil droit depuis. Je guéris ce mal, Dieu. Je guéris tes nerfs. On a dit que tu ne vas pas composer ton examen. Je déclare que tu composes et tu passes. Reçois l'accès à l'école que tu voulais depuis. Cette haute école. Je détache les chaînes de méchanceté dans votre vie. Je viens dénouer les liens de servitude. Toute personne avec laquelle tu t'es lié. Et la personne t'entraîne dans le trou. Comme tu m'écoutes aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Quelqu'un doit couvrir ses yeux. Tu m'écoutes. Au son de ma voix, comme ton environnement écoute ma voix, je te libère aujourd'hui. Comme ta maison écoute ma voix. Je déclare que les anges sont postés dans ta maison. Si tu m'écoutes, tu es dans le transport en commun. Comme tu m'écoutes, je m'accorde avec toi et je poste les anges dans ta maison. Aux quatre coins de ta propriété. Aux quatre coins de ton appartement. Aux quatre coins de ton immeuble. Cet immeuble est protégé à cause de toi. Bonjour. Rosa.
Je viens dénouer les liens de servitude. Que ce soit toi qui serves, que ce soit quelqu'un qui t'a attaché quelque part pour servir, je viens dénouer ces liens. Je vous libère de toute oppression. Tu es quelque part, on te fait souffrir, on te menace. Le mot menacer qui me vient à l'esprit. Et tu suis, peut-être parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de rester là-bas, tu n'as pas d'endroit où partir. Toute oppression qui est faite sur toi, qui est perpétrée sur toi, je t'en libère. Vous me connaissez avec les affaires de dons aujourd'hui. Vous me connaissez avec les affaires de dons. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. À la fin de cette journée ou en midi, vous devez faire, soit tu pars toi-même dans un orphelinat, faire un don, soit tu participes chez Reine Lumière. À la fin de la journée, les 17h, je vais envoyer une équipe qui va aller faire des dons quelque part, dans un orphelinat de la place. On doit faire, j'ai décidé, on fera les dons maintenant, les jours de jeûne. Parce que quand vous, on doit sceller vos prières avec les dons. Donc tu dois partager ton pain avec celui qui n'en a pas. Tu peux choisir quelqu'un de ta famille qui a besoin d'aide, quelqu'un de ton entourage, de ton quartier, peu importe. Quelque chose doit sortir de toi pour donner à quelqu'un. L'hypocrite spirituel, c'est celui que il pense toujours qu'on doit lui donner. Toujours. Il ne sera jamais guéri de quoi que ce soit. Il ne peut jamais sortir ses 1000 francs pour aller donner quelque part à quelqu'un. S'il donne même, il va dire à tout le monde. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. C'est à vous que vous faites du mal. Je déclare que votre esprit aujourd'hui est incliné pour faire du bien. Je me suis rendu compte que parfois tu veux faire du bien, mais c'est comme si tu es bloqué. Parfois tu as envie, tu veux, mais tu n'y arrives pas. Tu veux. Je veux aider. Je veux faire du bien. Mais je n'y arrive pas. Tu peux acheter un truc, tu dis que oh, je vais aller donner à l'orphelinat, c'est dans ta voiture pendant 2 semaines. Tu dis, ah, je vais envoyer, après tu oublies. Tout ce qui vous attache pour que vous ne puissiez pas faire le bien qui va vous aider, je vous détache aujourd'hui. Reçois ton entrée financière aujourd'hui. Rosie, bonjour. Reçois ton entrée financière. Reçois ton entrée financière aujourd'hui. Reçois. Que tu ne sois pas bien. Parfois, tu travailles un truc, tu te sens mieux. Comme tu te sens mieux là, tu ne fais plus rien. Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Hein. Tout orgueil spirituel qui a fait que tu abandonnes les premières choses que tu faisais qui t'ont délivré. J'enlève, je chasse de ton corps. Je fortifie ton esprit, que les engagements que tu as pris, que tu puisses les respecter. Tout engagement que tu as pris, que tu puisses respecter. J'ai acheté beaucoup de pain pour aller distribuer, ça reste dans la voiture. Voilà. Ça fait 2 mois avec des vêtements ici, je voulais aller à l'orphelinat donner. Oui, oui, oui. L'ennemi connaît que si tu donnes, ça va t'aider. Je sais de quoi je parle, je vous dis. L'autre jour, avant de sortir pour aller faire les dons, on organise les ateliers, on organise, ça ne marche pas. Je me suis levé et dit, mais attendez un peu. Allez d'abord faire les dons. Parce qu'on doit normalement aller faire les ateliers avec les enfants dans les orphelinats. Et je vous connais. Quand vous recevez, vous ne partez pas bénir une autre personne. Vous vous bloquez vous-même. Vous me suivez. Aucune arme forgée contre vous ne peut avoir d'effet.
aucune arme qui a été façonnée. Les complots, j'annule. Les endroits se sont assis, ils ont parlé de vous. J'annule au nom de Jésus-Christ. Je peux pas faire de vidéo, je suis en prière. D'accord, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Oui, en fait, je suis avec des dames là, qui ont une association en France et en Suisse là. Oui. Donc, là, je suis, c'est une dame suisse et une dame française. Et je leur ai dit, c'est un côté asiatique aussi. Je leur ai dit qu'on est une association, donc elle voudrait travailler en partenariat avec nous. J'ai dit que nous sommes dans l'ensemble des dons récemment. Au niveau de la Côte d'Ivoire, dont je suis le président et la PDG aussi de l'association. Mm-hmm. Donc, quand on aura le temps, on va parler, on va faire un appel vidéo, on va discuter un peu si on ne pourrait pas être des partenaires. D'accord. Donc, là, en France, eux aussi, ils peuvent arriver ici, faire des trucs. Oui, oui. Ils peuvent aussi aller pour vivre, donc une collaboration. Dans ce sens-là. Pas de souci. Donc, tu peux être libre à quelle heure Dans 2 heures, j'aurai fini. Comme ça, on peut discuter. Pendant des heures, et de parler dans les... Ça marche. Merci. À tout à l'heure. On m'appelle même pour l'association. Je vous connecte aux personnes appropriées. Je vous connecte. Tout hôtel qu'on a forgé pour vous bloquer. Comme vous m'écoutez, je détruis ces hôtels. Tout hôtel où on a mis votre photo, où on allume une bougie, où on vient verser des libations ou encore quoi que ce soit pour vous bloquer. Je vous libère de là, je vous sors de là au nom de Jésus. Toute case spirituelle où on est allé déposer ta photo, ton nom, un objet qui t'appartient pour te bloquer. Mettez les cœurs alors sur Facebook. Voilà, Claudia dit, depuis février, elle a programmé faire des dons dans un orphelinat. Entre temps, elle a perdu son boulot. Mm-hmm. Et les petites choses que tu faisais pour arrondir tes fins de mois sont bloquées. L'autre jour, j'ai fait un direct. Dans le direct, je mettais tout le monde qui m'écoutait au challenge. Oh, je n'ai pas le boulot. Va faire un don dans un orphelinat, tu demandes le boulot. Oh, je n'enfante pas. Va faire un don dans un orphelinat, tu dis que c'est pour ton enfantement. Oh, je veux le mariage. Va faire un don dans un orphelinat. Je vous ai fait un direct comme ça l'autre jour, non? Ne blaguez pas. L'ennemi connaît. Quand tu aides quelqu'un là, un orphelin, une veuve, un handicapé, il connaît les bénédictions qui se cachent là-dedans. C'est pour ça que tu vas programmer, tu ne vas jamais le faire. Je vous détache. Toutes chaises vont t'attacher. Tout esprit de paresse, de lourdeur que tu as dans ton corps. Je t'en libère, je t'en délivre. Déclare que ta lumière pointe comme l'aurore. Ta guérison germe promptement. Ta justice marche devant toi. Peu importe l'heure, peu importe l'endroit où tu appelles, que le Seigneur t'écoute. Le cri de ton cœur, la douleur que tu as dans ton cœur. Aujourd'hui, quand tu vas faire un don dans l'orphelinat, donc j'ai bien précisé qu'à 16h, on va rassembler tout ce que vous aurez envoyé. On va aller dans un orphelinat à Douala pour faire un don. Douala, c'est plus accessible. On va voir si c'est peut-être... Parce qu'actuellement, on fonctionne au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Là, c'est l'équipe du Gabon qui venait de m'appeler. Parce qu'il y a des pays où je ne peux pas être la présidente. Parce qu'ils ne veulent pas les étrangers, ils veulent les nationaux. Donc ça, c'est le président du Gabon qui m'appelait. Donc,
il y a le Cameroun qui s'ajoute dessus, donc ça fait 4 pays. J'ai précisé la dernière fois que s'il y a quelqu'un en France qui veut partir, qui nous fasse signe, même comme on n'a jamais eu personne qui s'est manifesté, sincèrement. Voilà. Donc, quand vous allez crier, l'offrande que vous allez faire aujourd'hui pour les orphelins, mettez ça sous la douleur que tu as là. Oh, mon fils, je veux que mon fils vienne en Europe. Je veux que je sais pas quoi. C'est toi qui connais ce qu'il y a dans ton cœur. Je n'aime pas faire les dons aux personnes qui sont en route. Je vois quelqu'un qui demande aux personnes qui sont assises en route. Je n'aime pas. Parce que j'ai l'impression que ces personnes ont un esprit là que je n'aime pas trop. Je n'aime pas dire qu'ils sont tous comme ça. Parfois, tu refuses de donner à quelqu'un qui t'insulte. Ça veut dire que son esprit n'était pas bon au départ. Voilà. C'est pour ça que, généralement, nous, on va dans les orphelinats enregistrés. Oui. Ok. Donc, attache à ça ta demande. Et quand on va aller donner, ou toi-même, tu vas aller donner physiquement, il y a des personnes que vous ne voulez pas passer par moi pour donner. Ne vous dérangez pas. Hein? Je ne fais rien de votre argent. Je n'ai pas donné aux orphelins. Donc, si c'est que tu vas te lever toi-même pour aller, tout ma part, c'est que tu partes. Tout ce que je veux, c'est que tu partes. Parfois, quelqu'un peut te bloquer. Tu envoies, il mange ton argent. Et ça bloque tes bénédictions. Donc, fais très, très, très attention. À bon entendeur, salut. Donc, je déclare que ta lumière va pointer comme l'aurore, selon Esaïe 58, verset 8. Ta guérison va germer promptement. Toute partie de ton corps qui est malade, par ce don, ça va guérir. Je vous donne le numéro OM. Prenez de quoi noter pour le numéro Orange Money. Si vous êtes au pays, je préfère même que vous payiez par le code marchand. Et je n'ai pas le code marchand ici. Est-ce que mon équipe peut mettre le code marchand, s'il vous plaît? Équipe, mettez le code marchand. Le numéro MTN du Cameroun, c'est le 237-678-922-578. Ça, c'est le numéro de la puce marchande. Parce que quand vous envoyez ça, ça tue la puce. Donc, vous envoyez le nom sur cette puce, c'est The Gift Guy Academy. Donc, 678-922-578. Quand tu donnes, il n'y a pas question de revenus, laissez ça. Parce que vous aimez impressionner les gens. Si tu donnes 500 francs aujourd'hui, quand tu vas pouvoir donner 100 000, tu vas commencer à crâner. Ah, regardez, j'ai donné beaucoup. Hein. Il n'y a pas ça sur ça. Faible revenu, c'est quoi? Tu es faible plus que qui? Tu es pauvre plus que qui? C'est même quand tu es pauvre que tu dois donner. Le moment où tu dois commencer à donner, c'est quand tu n'as pas. C'est vous qu'on avait la chicheté dans votre cœur. Je n'ai pas, donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi. Allons, tournons dans ça. Dans le numéro orange de la Côte d'Ivoire, c'est le 0779-02-52-05. 0779, Côte d'Ivoire. 0779-02-52-05. C'est aussi un numéro Wave. Quand vous envoyez, précisez, vous écrivez sur le WhatsApp, vous dites voilà le don pour les orphelins. Le Gabon, 07 41 80 080. Mes numéros sont sur ma page et mes pages officielles, je suis en direct dessus en permanence. Donc si on vous a arnaque parce qu'on est venu t'écrire avec un follower et tu peux écrire à la personne, tant mieux pour toi. Voilà. Équipe du Cameroun qui sera pénalisée, mettez-moi le numéro orange ici. Fabio, mental carré, efface ton message. Il y a 05 à la fin. C'est quoi ça? Tu ne connais pas répéter, écrire un numéro? 0779-02-52-05. Ça, c'est orange et wave en Côte d'Ivoire. C'est 05, pas 7. Tu es en train de vouloir m'aider, mais ça, c'est pas de l'aide. Voilà. Quand vous envoyez, vous écrivez, vous faites la capture, vous envoyez, vous dites voilà mon don pour les orphelins.
Je vais demander qu'on poste les photos. Pour les vidéos, je suis encore sceptique, mais on va vous mettre les photos des dons qu'on est parti faire samedi passé. Je veux le numéro orange, le numéro du code marchand orange au Cameroun. Mes employés qui sont en train de me regarder, là, faites attention. Loukote. Donnez-moi le numéro du code marchand du Cameroun. Parce que vous connaissez, paresseux comme vous êtes là, loup comme vous êtes. Le Gabon, c'est le 07 41 80 080. Employé, je demande le numéro du code marchand OM du Cameroun. Vous êtes sous observation, hein. Et cette personne qui est en train d'écrire là, tu seras pénalisé. Je ne vais même pas blaguer avec toi. Je ne vais pas te louper. Tu vas me sortir au moins 2000 francs sur ton salaire. Ça c'est pour le Cameroun, voilà. 58 68 54. Et le numéro orange du Cameroun, j'insiste pour que vous ne payez pas par orange normal, parce que vous envoyez des transactions de 500 francs, 100 francs, 200. Finalement, on va dire que le numéro est plein, alors qu'il y a un code marchand par lequel vous pouvez payer. Voilà. Donc, le numéro orange, pour ceux qui n'ont absolument pas de possibilité, le numéro orange du Cameroun, 237 693 50 22 66. Bon, on continue les prières. On va clôturer les dons à 16h et on ira à l'orphelinat à 17h. Si vous n'avez pas la possibilité d'envoyer, cherchez un orphelinat dans votre ville. Ou bien vous partez à la mosquée, vous faites un don. Voilà. J'espère que c'est bien pour tout le monde. On ne jeûne pas sans faire des prières. On ne jeûne pas sans faire un don aux orphelins. On ne jeûne pas sans faire un salak à quelque part. Tu dois sortir quelque chose, tu donnes. Et j'ai pris la décision de partir donner pour les gens parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas trouver où ils vont donner. Vous êtes dans des pays où c'est délicat. Quand tu sors, tu veux partager des choses aux gens, on dit, hé, hey, c'est quoi ça? Voilà. Bon. Je déclare aujourd'hui, selon Isaïe 58, verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Quand vous voulez faire des dons, n'attendez pas d'avoir 100 000 francs. Tu peux avoir 500 francs, tu donnes. Tu peux avoir 10 000, tu donnes. Tu peux avoir 100 000. J'ai des personnes qui donnent 300 000 parfois, 500 000. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette somme pour donner. Pense à ton travail que tu es en train de vouloir faire. Le nom de Orange Money, c'est Ngoguem. N-G-N-O-G-U-E-M. Orange Money du Cameroun. N-G-N-O-G-U-E-M. Tu écris Ngoguem, tu mets Joseline. J-O-S-E-L-I-N-E. J'espère que vous avez de quoi noter. Quand tu suis mon direct, tu n'as pas de quoi noter, c'est ton problème. Bon. Le code marchand Orange Money. Qui a retenu le code marchand? C'était quoi? 58, 68, 54. C'était ça. Code marchand Orange Money. C'était quoi tout à l'heure? Rien du mien officiel, ça ce n'est pas le code marchand OMR. Tu es illettré, puisque tu es dans mon entreprise. Vous devez m'identifier qui est en train de commenter ici sur ma page. Code marchand OM, tu mets le numéro de téléphone. Oui, 58, 68, 54. Le nom qui va s'afficher normalement, c'est... Le nom qui va s'afficher, ce sera... The Gift Giver Academy, avant que tu fasses le paiement.
Bon, PayPal, c'est Aurélie Michel. AURELIEMICHELLE 2017-2017@gmail.com. Aurélie Michel 2017@gmail.com. Ça, c'est PayPal. J'ai demandé à mon équipe de vous montrer un peu. On a été dans 12 orphelinats samedi passé. On a donné 12 orphelinats dans 7 villes, dans 4 pays. Le numéro MTN, c'est le 678 922 578. Et le nom de ce compte, c'est The Gidiga Academy. Quand vous voulez faire des dons, parler, ça peut être peut-être pour tes enfants. Seigneur, je veux libérer mes enfants de tel trou dans lequel ils ont été. Tu, avant d'envoyer, avant de faire l'envoi, tu entres tous les détails. Avant de faire l'envoi, tu dis, je viens délivrer mes enfants. Par cet envoi que je fais, je libère mes enfants. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués parce que dans votre vie, on n'a pas... personne n'a jamais fait une prière pour toi. Personne n'a jamais semé quelque part pour toi. Il n'y a rien dans le monde spirituel qui porte ton nom. C'est pour ça qu'en l'absence de positif, qu'est-ce qui triomphe? C'est le négatif. Vous avez sûrement des œuvres caritatives dans votre ville. Vous avez, dans vos pays, vous avez des orphelinats. Vous en avez un. Bonjour Céline. Je vais vous lire Ésaïe 58, verset 9. Alors tu appelleras, l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes au milieu de toi le joug, les gestes menaçants, le discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Dieu connaît que tu as les ténèbres dans ta vie. Claudia Lopez, si tu es dans la ville de Douala, tu peux venir pour aller à l'orphelinat avec eux. Il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas t'attendre parce qu'elle vous connaît. Tu vois, on s'apprête que je suis dans les embouteillages, attendez-moi. Parce que mon équipe, quand ils les envoient, ils vont sûrement aller en moto. Parce que vu l'heure, il y aura les embouteillages. Il ne faut pas que dans l'heure, là, tu commences à dire que oh, attendez-moi. Assure-toi que tu viens là-bas un peu tôt. Généralement, pas à Bao pour acheter les choses. C'est à Bao qu'ils font les achats. Bonjour Laura. Dieu connaît que tu as l'obscurité dans ta vie. Hein. Dieu connaît. Dieu connaît que tu as l'obscurité. Parfois, vous ne croyez pas. Dieu connaît. Mais c'est parfois, c'est toi-même qui ne fais pas ce qu'il faut faire. Ou c'est quels oiseaux qui se réveillent à 8 heures. Les oiseaux chantent à 5 heures. Vous êtes là, vous réveillez à 8 heures. Ah. Ésaïe 58, verset 10. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Les ténèbres seront comme le midi. Je déclare aujourd'hui que l'Éternel est ton guide. Je déclare que ton âme sera rassasiée dans les lieux arides. Parfois, il y a les lieux arides. Les lieux arides, c'est des choses... Parfois, tu es dans un pays où il y a des blocages sur la population. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est une population qui est trop stressée. C'est une population que ce que vous mangez ou l'air que vous respirez ou bien l'eau de la ville n'est pas bonne. Du coup, c'est un blocage de masse. Donc, je vous libère de tout blocage de masse. Je redonne de la vigueur à votre âme. Vous êtes comme un jardin arrosé. Vous êtes comme une source des eaux dont les eaux ne tarissent pas. Comme vous allez donner aujourd'hui pour les orphelins, je déclare sur vous, hein,
vous n'allez jamais tarir. Votre poche ne va jamais se vider. Aussitôt que ça sort de votre poche, ça revient. On ne va jamais s'asseoir quelque part pour comploter contre vous, ça va marcher. Nommez vos enfants et vos futurs enfants dans vos dons. Nommez vos enfants et vos futurs enfants dans vos dons. Parfois, il suffit d'une prière qu'on fait sur ton enfant. Il suffit qu'on parle un mot sur ton enfant. Pam! Né ou pas né. Ça débloque l'enfant en avance. Ça ouvre les portes de l'enfant en avance. Même pour concevoir, tu ne conçois pas l'enfant là avec n'importe qui. Tu avais un homme depuis plusieurs mois, il veut venir en octobre te rencontrer. On prie quoi sur toi? Lave ton sel. Vous avez tout rien. On prie quoi sur toi? Lave ton sel. Jeûne. Demande au Seigneur, est-ce que c'est ma personne? Voilà le jeûne qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez la paresse? Prie pour moi. Paresseuse. Il y a les questions que tu poses. Tu prends ton sel, tu verses. Tu demandes à tes guides et tes ancêtres de te parler la nuit. Si c'est ma personne, montrez-moi. Si ce n'est pas ma personne, montrez-moi. Et si c'est ma personne que ça se passe? Arrêtez avec vos choses là. Priez pour moi, pardon. On ne demande pas la prière. La prière, tu vois, tu crois. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire ici. À un moment, je faisais les lavages examen. Vous n'avez pas payé pour que je lave vos enfants. Vous n'avez vous-même pas fait de dons. Je dis, allez faire des dons aux orphelinats pour vos enfants. Vous ne faites pas. Priez pour que mon enfant passe. Ouf. Vous aimez l'abrutissement. Je vous lis les passages bibliques ici là. Voilà les passages que j'ai lis, non. Qui parmi vous a retenu ce que je lis? Je suis en train de lire quoi? Je suis en train de lire quel verset? Je suis en train de lire quel verset? Vous ne connaissez pas, n'est-ce pas? Continuez. Continuez votre bêtise. On va vous bloquer. On va bloquer vos enfants. On va vous bloquer bien même. Voilà. Quand tu as l'enfant, tu n'arrives pas à avoir l'argent pour t'occuper de cet enfant. Ton enfant est bloqué. Ton enfant, tu l'as tétuté sur lui. Partout, il va dire, l'enfant, c'est l'argent, je n'aime pas. Quelqu'un dit que je vais te donner l'argent pour l'enfant, il ne donne pas. Son père fuit. Voilà vos enfants bloqués, je vous dis. Va faire le don à l'orphelinat de 5 000. Tu dis que c'est pour vous libérer l'aura de ton enfant. Prends le fanta, verse au sol, fais une libation. Que la terre de mes ancêtres soit bonne pour mes enfants. Partout, ils vont sur cette terre, qu'on les accepte. Vous aimez la bêtise. Allez bête, bête. Soyez bête sur vos enfants. Vous avez suivi. Ciao. Ésaïe 58. Verset 11. J'ai dit que tu es comme un jardin toujours arrosé. Quand vous voyez un enfant, son aura s'ouvre tôt. Vous voyez un enfant, son aura s'ouvre tôt. Vous voyez. Vous pensez que c'est le hasard, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a les familles paternelles qui viennent réclamer vos enfants. Tu t'es séparé du père, mais on réclame encore l'enfant là. Il y a les phases où ton enfant est bien. Après, il devient têtu. Tu pries un peu, après, il change, il revient bien. Il y a une bataille sur la destinée de ton enfant. Blague? Blaguer. Vous croyez que les enfants échouent à l'examen par hasard? Ciao. L'Éternel sera toujours ton guide. Je te relève, je relève tes fondements. Je répare les brèches qu'il y avait dans ta vie. Tout ce qui était dans ta vie qui était bloqué. Je répare les brèches de ta vie. Le genre que tu étais idiote avant, là, tu restais comme ça, là, tiens. Je déclare que l'intelligence touche ton corps, ton cœur, ton esprit. Reprends l'intelligence par ce jeûne aujourd'hui. Je vous ai dit hier de prendre le sel gros grain, vous versez dans votre maison. Versez le sel gros grain dans votre maison, s'il vous plaît. Je vous relève, je vous rebâtis. Il y en a ici, là, vous êtes censé avoir des choses depuis. Tu as 38 ans. Depuis que tu as 22 ans, tu devais avoir déjà un immeuble. Et c'est que vous ne croyez pas.
En 6 mois, tu vas faire ce que tu aurais dû faire il y a cela 10 ans, au nom de Jésus-Christ. Parfois, tu restes comme ça, tu sens que tu es attaché. Commence même avec 500, mamie. Pas au marché, tu achètes le sel. Le sel que je vends est cher pour certaines personnes. Pas au marché, tu cherches le sel avec le jujube. Tu achètes un peu de clou de girofle pour 100 francs. Oui, tu rentres, tu mets, tu écrases le clou de girofle là jusqu'à ce que ça devient en poudre. Une partie, tu te laves avec l'autre, tu lis le psaume 35 dessus. Tu verses dans ta maison. La bougie de 100 francs, tu brûles ça chez toi en lisant le psaume 35. Arrêtez vos bêtises là. On te bloque, tu es là, comme ça là. Prends 1000 francs, je viens de vous donner les recettes pour 1000 francs, c'est peut-être 800 francs. Si tu as le sel à cancer, c'est encore mieux. Parce que je sais que les gens vont pleurer, oh, je n'ai pas tes produits. Prends le sel du marché. Ceux qui ont mes produits, vous utilisez le sel qu'il y a dans le kit. Et si tu commences à utiliser le sel du marché, ton argent vient, tu n'achètes pas mes produits, tu vas voir que tu seras limité à tes produits que tu as achetés. Et vous, dis-moi, caché. Continuons. Je vous commande de vous lever. Je vous commande de vous lever. De tout endroit, toute relation dans laquelle tu as été. Et ton relationneur t'a bloqué. Il y a des femmes qui me suivent en cachette parce que leur mari ou leur gars ne permettent pas. Je t'enlève la peur du corps au nom de Jésus. Tu ne te caches plus. Tu as envoyé l'agent sur Wave, Fabio. Si tu as pris ton faux numéro, c'est ton problème. Oh. Je n'ai pas reçu l'argent sur Wave, monsieur. Tu as compris, Fabio? Bonjour. Je n'ai pas reçu l'argent sur Wave. Tout à l'heure, tu as mis un faux numéro. J'ai dit, tu es parti. Si tu as envoyé sur le numéro-là, je bénis. Bye. Voilà. Selon Isaïe 60, je te commande de te lever. Je mets la lumière dans ton esprit. Que ta vraie identité, tu la découvres. Je mets la pureté, je purifie ton aura. Je vois quelqu'un ici, tu dois mettre l'huile de bendage dans tes cheveux. Vous pouvez faire le don sur PayPal. J'ai déjà parlé de ça, non? Ouais. L'huile de bendage dans tes cheveux. J'ouvre vos portes. Je vous éclaire, je déclare que votre lumière est là. Même si les ténèbres couvrent la terre, je déclare que sur vous, écrivez, mon cas est exceptionnel. Répétez, mon cas est exceptionnel. Répétez, mon cas est exceptionnel. Répétez, mon cas est exceptionnel. Je déclare que des nations marchent à vous. Des nations viennent sur votre page. Des nations, des personnes viennent. Il y a des gens qui ont des dons pour soigner avec les mains. Votre business, j'ouvre que les clients arrivent. Il y a quelqu'un ici, tu soignes les gens, tu vas travailler sur toi. Il y a des bancs que j'ai créés, c'est des feuilles que tu reçois chez toi. Et c'est un peu comme du thé, mais tu les mets dans de l'eau. Et tu te laves avec ça matin et soir. Tu dois faire ce traitement sur 30 jours. Ça va ouvrir les portes de ton business. Et ça va aussi augmenter ton attirance. Voilà.
Tes fils arrivent de loin, tes clients arrivent de loin. Je déclare que ton cœur va se dilater et bondir. Je mets la joie dans ton cœur, je remplace la peur par la joie. J'ouvre tes finances, que les richesses de la mer se tournent vers toi. Que les richesses de la mer se tournent vers toi. Que les trésors des nations viennent à toi. Les comptes bancaires qui étaient bloqués, je les débloque. Je vous avais parlé de l'orphelinat d'Orcas à Bafoussam. On avait commencé à construire leur cuisine. Donc, ils ont presque terminé. Ils ont déjà monté les murs. Il reste le toit qu'on doit faire. Parce que leur cuisine était tombée, ça fait 2 mois. Et on a commencé la construction. Donc, j'ai envoyé une équipe sur le terrain hier. Ils ont vérifié l'avancement des travaux. Donc, une partie des dons que vous allez faire aujourd'hui, on va acheminer ça à Bafoussam pour finir la construction de la cuisine. Voilà. Je viens à peine de me rappeler. Je vois un message de notre représentant à Bafoussam. Voilà, ça vient d'arriver là. Comme vous reconstruisez cette cuisine, je déclare que tout ce qui était gâté dans votre vie soit reconstruit. Que tout ce qui était cripple en français, c'est quoi? Lame. Tout ce qui était handicapé dans votre vie, que ça se redresse. Que ce soit le sable ou le ciment que ton argent va acheter pour cet orphelinat. Comme ces enfants vont en profiter. Chaque fois qu'on va préparer la nourriture, là-bas, ils vont manger. Ta vie même sera bénie encore. Au nom de Jésus. Donc, ceux qui veulent participer pour la cuisine de Bafoussam, quand vous faites le don, vous précisez que ça, c'est pour la cuisine de Bafoussam. C'est l'orphelinat d'Orcas. Si quelqu'un a Bafoussam, tu peux aller directement là-bas. Hein. Tu cherches. Je ne sais pas où ils sont. Ce n'est pas moi qui vais sur le terrain, généralement. Donc, tu précises que ça, c'est pour la cuisine. Donc, le numéro Orange Money pour faire les dons. 693-50, ça c'est pour le Cameroun. 693-50-22-66. 693-50-22-66. Donc, vous mettez 237 devant. Pour la Côte d'Ivoire, 225-07-79-02-52-05. Je viens de voir 100 000 francs. Si c'est, il faut préciser Dorcas. Je vois que tu as envoyé 100 000 francs sur Wave. Donc il faut préciser. Si c'est juste pour les dons qu'on va aller faire à 17h dans les orphelinats. Si tu veux qu'on mette ça plutôt sur la construction de la cuisine des orphelins à Bafoussam. Donc si vous avez un orphelinat dans votre quartier, dans votre ville, qui a des besoins. Donc par exemple, on les aide avec les matelas. Parfois, ils ont besoin des sous-vêtements pour les orphelins. Donc, peut-être tu... si vous faites dans l'élevage, si vous avez souvent des poulets, parce que parfois, les orphelins n'ont pas assez de viande. OK? Les sandales, là, les babouches des enfants, ils en manquent. Les couches, voilà. Bon, ici, au Burkina aussi, on est parti dans un orphelinat l'autre jour. Et ils ont 74 enfants. Et là, ils avaient aussi des besoins en couches. Le lait, la marque Nan, s'il vous plaît. Nan, donc N-A-N, 1, 2 ou 3. Nan. Ça, c'est ce qu'ils utilisent si vous faites des dons au Burkina. Donc, le OM, je vais donner le OM du Cameroun. 237-693-50-22-66. Et le code marchand au Cameroun, vous tapez 10-150 étoiles 47. Vous mettez le code marchand 58 68 54 et vous mettez étoile, vous mettez le montant et là vous pouvez mettre dièse. Voilà, tu as apporté des couches à une pouponnière. Voilà, ça c'est très bien. En Côte d'Ivoire, on a pu aller à Benjainville samedi. On allait dans un orphelinat. Donc pour Abidjan, on est encore en train de recenser les orphelinats là-bas. Donc je vous encourage, dans vos villes, vous avez des orphelinats, ok? Si vous ne voulez pas forcément envoyer chez moi, ça ne me dérange pas. Allez dans vos villes, aidez les orphelins. Et attachez une prière à ce que vous partez donner. Voilà. Donc quand vous envoyez le don, vous écrivez sur WhatsApp et vous précisez que ça, c'est pour... Donc aujourd'hui, il y a l'action des dons qu'on fera à 17h. Et il y a la cuisine de Bafoussam. Ok? Voilà. Donc je continue.
selon Ésaïe 60. Je déclare, les fils de l'étranger rebâtiront vos murs. J'appelle des employés, des collaborateurs qui vont participer, qui vont vous aider, qui vont mettre la main à ce que vous faites. Parfois, tu as une entreprise, tu as de la peine à avoir des collaborateurs sérieux. Recevez des bons collaborateurs. Recevez de bons employés, recevez des personnes fidèles, des personnes sérieuses, voilà, qui vont faire prospérer vos activités. Vos portes seront toujours ouvertes. Vos business vont pointer la journée comme la nuit. Que Dieu vous donne des idées pour pouvoir établir des business qui vont fonctionner jour et nuit. Que vous ne soyez pas limité par la géographie, par la couleur de peau, par les finances. Tout argent dont vous avez besoin pour effectuer quelque chose. Recevez pour stabiliser votre business. Pendant que vous donnez aux orphelins aujourd'hui, vous recevez cela en contrepartie. Voilà. Je déclare aujourd'hui que votre gloire se lève. Votre gloire se lève. Donc, la page de l'association, c'est Leaders. Nous sommes au Gabon, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. La page, c'est Leaders Caritas sur Facebook. Donc, vous pouvez vous abonner là-bas pour voir les actions qu'on est en train de faire actuellement. Leader, c'est L-E-A-D-E-R-S, comme leader, comme un leader. Leaders Caritas, C-A-R-I-T-A-S, voilà. Je restaure votre gloire. Là où vous avez délaissé, je viens vous retrouver. Tout labyrinthe dans lequel vous êtes retrouvé perdu. Comme vous donnez aujourd'hui, vous retrouvez les richesses qu'on vous avait volées. Vous retrouvez les dons que vous aviez perdus, les dons spirituels. Je mets votre force à nouveau. Oui, en RDC aussi, on va bientôt lancer à Kinshasa. Donc, j'ai besoin de plus de bénévoles à Kinshasa, s'il vous plaît. Et si vous êtes déjà dans l'association, je vous ai dit hier, ceux qui sont dans l'association, vous avez des réductions sur les produits. Donc, n'oubliez pas de mentionner ça quand vous faites vos achats. Vous montrez votre... Je crois que je vais voir l'informaticien pour qu'il fasse des cartes de membres. Vous montrez votre carte de membre ou bien votre code d'association. On vous donne des réductions. Je n'ai pas encore déterminé combien de pourcentage vous aurez en réduction. Voilà. Je déclare sur vous que vous serez un sujet de joie de génération en génération. Vous allez sucer le lait des nations. Vous allez sucer la mamelle des rois. Vous aurez des activités qui seront établies dans des pays. Vous aurez des millions de personnes qui vont donner dans votre besace, qui vont participer, qui vont payer chez vous. Je vous distingue des autres business dans votre ville, dans votre qui font dans votre niche, que des gens choisissent de faire affaire avec vous, au nom de Jésus. Je vous multiplie, que le plus petit d'entre vous se multiplie, il devient un millier. Votre chiffre d'affaires ce mois, qu'on le multiplie, qu'il devient un millier. Donc voilà le lien de la page Leaders Caritas. Voilà, c'est ça. Le numéro pour les dons de la Côte d'Ivoire, c'est le 0779 02 52 05. 0779 02 52 05. Je fortifie votre corps. Et aussi, je vois une personne ici, quand tu vas faire tes dons, ce sera une sorte de délivrance, ton corps. Je sens comment il y avait des entités dans ton corps qui te mettaient beaucoup de paresse, de lourdeur. Je déclare que tu en es délivré quand tu fais tes dons. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si TikTok permet de faire partager des liens. Mais vous allez, on n'a pas encore ouvert la page TikTok, on n'a que la page Facebook. Donc allez sur Facebook, vous cherchez Leaders. Leaders, on a Leaders Media. Et sur Leaders Media, on interviewe les personnes qui ont réussi. Et Leaders Caritas, c'est l'association. Voilà. Donc, je viens vous ancrer que ce que vous avez reçu aujourd'hui ne fuit pas.
que vous vous multipliez, que vos entreprises grandissent, que vous ouvrez des succursales, que vous ayez une croissance exponentielle à l'international, que votre argent vienne en devises étrangères, vos produits, que vous puissiez les vendre à l'étranger, que vous puissiez signer des contrats, des conventions à l'international. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Voilà. Je vous bénis, je vous couvre du sang de Jésus. Je déclare sur vous la grâce, que nos ancêtres marchent avec vous, que la puissance qui est en vous, qui s'est réveillée, continue de monter. Ok, je restaure vos terrains, vos voitures, là. Quand tu donnes à d'autres personnes, que toi-même tu reçoives. Comme ça sort aujourd'hui, que le client lui-même vient encore donner de l'autre côté. Recevez vos clients aujourd'hui, recevez les clients, recevez les clients. Vous me connaissez avec le business. Hmm? Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Hmm? Ça fait un mois. Écris encore sur le numéro, si c'est le numéro de l'entreprise. Fabio, monsieur Fabio, je t'en prie. Je n'aime pas ton énergie, Fabio. Tu as mal écrit mon numéro ici, là. Deuxièmement, tu as dit que tu as donné et pourtant tu n'as pas donné. Je n'aime pas ça. Donc, s'il te plaît, me laisser. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Que cette journée soit une journée de travail intense, une journée dans laquelle vous pointez. Que vos portes s'ouvrent, que vos clients viennent. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton offrande, Fabio. Qu'il en soit ainsi. Ok, bonne journée à vous. Je ne vais pas faire de prière à midi. Ok, lavez vos selles. On est en train de jeûner aujourd'hui. Mon numéro, c'est le suivant. 237 6 93 50 22 66. Si vous me voyez, je vous écris. Ce n'est pas moi. Il y a les arnaqueurs qui prennent ma photo. Ils contactent les gens avec. Ce n'est pas moi. Dans la journée, je suis très occupée. Je n'ai pas le temps pour écrire aux gens. Mais si vous écrivez, j'ai des secrétaires qui vont vous répondre. Voilà. Soyez bénis. Je vais parler d'un nouveau produit. Ce sera des bains d'ouverture. Ça, c'est un très nouveau produit. Je vais le mettre sur pied aujourd'hui. Donc, ça pourra être disponible dans vos pays dans environ 2 semaines. 2 semaines au plus. Abidjan, ce sera dans 2 jours. Burkina, c'est disponible aujourd'hui. Voilà. Donc, le numéro de contact principal, 237 680 71 0701. Dans ma bio, il y a un lien. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez payer par MTN Money dans votre pays. Dans la bio, il y a un lien. Il y a aussi un contact WhatsApp dessus. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp par ce lien. Voilà. Soyez bénis. Passez une bonne journée. L'huile de blindage, il y en a en France. Ok, quand vous voulez des produits en France, parce qu'on va envoyer un colis en France aujourd'hui ou demain, je vous en prie, commandez, parce que j'ai fait des promotions sur les poudres jaunes et le thé de désenvoûtement hier. Je vous redonne les codes promo. Le code promo pour les lavages d'enfants, au lieu de 50 000, c'est 15 000. Ça, c'est le lavage des vacances ici. Hmm? Je serai à Kinshasa dans 2 semaines. Donc, le code promo, c'est KID. KID07. Tu l'auras. Si tu ne donnes pas ce code, on ne te fait pas la réduction. Deuxième code, promo 23. Je crois. Promo 23. Avec promo 23, tu auras le thé de désenvoûtement et la poudre jaune qui combat les maris de nuit, poison de nuit, les maris spirituels, les serpents dans le ventre. Promo 23. Ces deux produits ensemble, on va envoyer ça à Paris. Donc, on va convertir la monnaie et vous allez payer l'envoi. Parce que quand ça arrive à Paris, il faut qu'on poste dans vos villes. Donc, il y aura un forfait de 10 euros pour poster dans vos villes. Bon, j'espère que c'est compris. Passez une très, très bonne journée. Donc, avec le code pour les réductions sur le thé de désenvoûtement, vous l'avez avec... Ça fait 5000 francs de réduction. Vous payez aussi. Bonjour, Franck. Soyez bénis. Le numéro est dans la bio pour ceux qui veulent me contacter.